14 531 habitants et quelques figures emblématiques. On pourrait bien sûr parler de Lormanodou, mais on va plutôt se focaliser sur une autre ambaroise devenue star, une étoile née dans la cité cheminote le 13 juillet 1935. La seule française devenue Miss Monde, Denise Perrier. Denise Perrier, ma pauvre dame. Ah, je l'ai connue. Et vous savez, j'étais très, très timide. Alors, elle était derrière moi, et elle embrassait tout le monde. Et puis moi, je bougeais pas. J'osais pas me retourner. Denise Perrier. Elle est de retour sur ses terres, mais ça, Robert ne le sait pas encore. Nous avons retrouvé Denise et elle, ses souvenirs. C'est très émouvant. Émouvant. Chaque fois que je viens, j'ai le petit coup au cœur. La petite fille qu'elle était a fréquenté une école religieuse, l'école Sainte-Marie. C'est là-bas. J'ai des souvenirs extraordinaires. Pendant la guerre, donc, il n'y avait pas de cire. Et alors, les sœurs nous faisaient passer le plancher avec de la bougie et nous faisions briller le parquet. Et comme dans un conte, comme Cendrillon est devenue princesse, Denise est devenue reine de beauté. Le réopage ne devait avoir que 14 secondes d'hésitation avant d'élire la française. À 18 ans, Denise Perrier, étudiante et lyonnaise, est proclamée Miss Monde. Lyonnaise, ça fait plus glamour qu'ambaroise, mais Denise est belle et bien d'Ambérieu et fière de l'être. Ah oui, oui, ça je le revendique. Et je suis même née là-bas. Là-bas. Et maman a accouché là, ici, dans cet appartement. Parce qu'à l'époque, on accouchait à la maison. Ici, donc, naquit une petite fille de cheminot, devenue Miss Monde, qui, par la suite, a rencontré du beau monde. My name is Bond. James Bond. Is there something I can do for you? Yes, as a matter of fact, there is. There is something I'd like you to get off your chest. Comme je ne suis pas comédienne, je lui dis, écoutez, étranglez-moi vraiment, parce que sinon, ça ne marchera pas, parce que je ne peux pas faire semblant, c'est pas possible. Alors il m'a étranglé, je vous assure, ça a marché. Miss Monde et James Bond Girl, Denise a été l'élue, y compris en mairie, 15 ans de mandat en tant que conseillère municipale à Nice, où elle s'apprête à retourner. Mais avant, une dernière visite s'impose. Ah, ça y est, j'ai appuyé, ça m'est arrivé, ça y est, ça fait. Bonjour. Qu'est-ce qui fait tilt? Bah, j'ai reconnu la dame. Tout de suite. Ah oui. Mais mieux quand même, Robert. Ah oui. Bah, c'est pas tous les jours qu'on peut parler à Miss Monde, hein. Ce jour-là, au Modern Hotel, pas question de parler politique ou des problèmes du quartier-gare évoqués la semaine dernière. Ce jour-là, à Ambérieu, c'était plus belle la vie.